Bonjour tout le monde. Allez, c'est parti pour un petit tour avec le vélo. Je vais tenter une sortie un petit peu plus longue parce qu'il faut que je m'habitue au vélo, à la nouvelle façon de pédaler. Donc sortie sans forcer, mais pour prendre l'habitude, faire 2 heures de selle comme on dit. Bon, en mode solo, hein, parce que voilà. Les copains sont à la Jackass. Je leur souhaite un très bon courage sur le raid des 126. J'espère que ça va aller. Je leur souhaite tout le meilleur. C'est une très belle journée, ça devrait aller. Et puis, voilà, allez, à toutes. Allez, 10 km, tout va bien. Hop. Ah, c'est toujours plaisant par ici, hein. Le long du canal de Lens. Toujours une belle balade, je suis déjà à 10 km. C'est cool. Tout va bien. Tout va bien. Hop là. Je pensais pas qu'il allait avoir autant de vent. Ça souffle. Ouais, tu me diras, l'eau du canal, on est toujours un peu en derrière de toute façon. Hein. Quelques petites marches, tiens. Non. Je pensais, mais non, elles sont vraiment abruptes. Bon, ça doit passer, hein, mais pas envie d'abîmer le bike tout de suite. Par contre, le chemin a l'air plutôt pas mal. Je sais pas du tout où ça mène. Y a-t-il un parc, quelque chose par ici que je ne connaîtrais pas? Il y a l'air. Ah bah oui. Bon, je suis arnésien. Toujours aussi beau. Bon, allez. On va pas se priver, hein. Juste essayer d'éviter les orties. Toujours aussi beau single. Ouf. Par contre ici c'est le fèche-fèche. Et merde. Oh, pas les orties. Putain. Ouh, 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 ouh. Il y a mon single préféré du monde qui est juste là-dedans. Mais vu les orties, j'ai pas envie d'y aller. Bon, attention à ta tête, Jaco. Bon, je vais encore être. Ouais. C'est mort. Bon, les gens de la ville, là. On va couper ça. Hein. Pas propre. Hein. Allez, votre fleurimont. Je serais bien rentré dans les singles, mais
C'est vraiment plein d'orties. Et chier, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'orties. Bon, j'étais passé ici il n'y a pas très longtemps. Les roseaux n'étaient pas aussi grands, mais là, c'est un petit peu costaud. Bon, j'aurais pu les prendre ces marches-là. C'est pour ça que je veux rouler tranquillou. Pour m'habituer au vélo, parce qu'il y a peut-être des passages tout simples qu'on peut faire d'habitude, mais je suis hésitant. Faut que ça se mette en place, faut que les habitudes sur le bike se mettent en place. La grandeur, etc. Avant d'aller se casser sa marboulette, comme on dit. Je commence à me détendre sur le vélo. Sur des chemins comme ça, je commence à me détendre. Pas évident, hein. Et ça commence à venir. 20 bornes là. De toute façon, c'est ça, il faut que je chope mes habitudes dessus. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Non, c'était par où? Merde, je me suis trompé. Ouais. Bien ça. Allez, petit ravito à l'ombre. Hein. Parce qu'il tape un petit peu quand même le soleil. Bon, je suis à 22 km, tout va bien. Je commence à m'habituer tout doucement. Pas évident. Hein. Le passage du SR au TS, faut s'habituer, même si une fois que tout est bloqué, il ressemble vraiment à un SR. C'est ça, c'est l'avantage du truc. Bon, allez, je mange un bout et puis je vous reprends après. Allez, un petit peu de foncier. En mode peinard. En mode peinard. Single de Stovall. J'en avais marre d'être sur le bitume. Du coup, je voulais changer un peu. Mais il y a que des orties par ici, putain. Fais chier. Qu'est-ce qu'ils ont tous à mettre des orties de partout? Je vous jure. Alors, ils sont grands, hein. Ils sont grands. Allez, je vais sortir de là. Parce que là, c'est tout chaud, je suis le bordel. Alors, par là ou par là? Je ne sais jamais. Si, par là. Je ne le sais jamais. Jamais.
Ouais, et au bout, à gauche. C'est cela même. Ah, j'ai pris une belle branche dans le casque. Elle m'a sonné. Ouh. Joli. Petit bateau de plaisance. Superbe. Allez, je suis sorti un petit peu du macadam. Je suis à Bobin. Single bobinois. Oh, c'est pareil, je vais bien. C'est pas trop se faire piquer. Ah, là, c'est mieux, c'est des ronces. Superbe. Je me régale. Même si je me prends des branches. Ouah. Toile d'araignée, feuille. Branche. Ah. Ah bah là, heureusement que je suis pas arrivé plus vite. Putain, c'est dangereux ça. Toujours appréciable ce passage. Bon, soleil et pluie, hein, la végétation. Bon, j'ai quand même le Schwalbe Racing Grey là devant, là, qui me fait des frayeurs. Hein. J'ai pas confiance en ce pneu. Hein. Parce que tu as un petit peu de gravillon, a tendance à bien partir. M'inquiète un peu ce pneu. Allez, je vais arriver au marais de dedans. Je suis à 40 km et ça va toujours, je suis très content. Bon, l'objectif, je pense, ça sera de faire une soixantaine de kilomètres. On sera bien pour aujourd'hui. Allez, pause numéro 2. Dans ce cadre magnifique. Hein, bon, je me sens toujours aussi bien sur le vélo. Je commence à l'appréhender un tout petit poil. Il va falloir un peu de temps. Hein. Va
Donc voilà, un peu de temps, mais je me régale. Je me régale, il est chouette. Il est chouette, vraiment, tout ce que je disais dans la dernière vidéo se vérifie. Allez, je mange un bout, puis je me remets en route. Et quoi, quoi? Tu vas dire bonjour à Jaco? Non? Bon, ok. Merci, copain. Mais cabane. Mes petites cabanes, mes petites cabanes chérie. Alors ça va les poulettes? Bon tiens, le test ça va être marrant parce que j'avais du mal à passer avec l'ancien. Et là du coup, bah, on va voir. Ouais bah déjà ça va beaucoup mieux. Ouais d'accord, ok. Et bah toute la différence est là. Tout est dit. Bonjour. Putain, c'est parce que j'ai pas pris mes thunes, hein. Mais je me serais très bien arrêté boire une binouze. Bon, c'est pas grave, je vais vivre à la maison. Il fait chaud, hein. Pose des altérés. Bon, on va se rentrer. Ça, c'est agréable, hein. Ce bruit. Magnifique. Magnifique. Bon, vous l'avez compris, hein, je suis sur la route du retour. Je suis à 52 km. Tout va bien. J'ai un peu mal au cul, mais ça va. J'ai connu pire. J'ai un peu mal au poignet, mais ça va. J'ai connu pire. Bon, de toute façon, je commence à fatiguer. Ça fait 3h30 que je suis sur le vélo. Enfin, 3h30 que je suis parti toujours. À peu près 3 heures je suis sur vélo. Comme ça j'ai bien bien assimilé la posture. Donc c'est chouette. Je suis super content. Il va très bien. Et il correspond pour l'instant à mes attentes. Super. 20 kilos, gilo. Alors là, champion du monde. Voilà les amis, retour au bercail. 60 km, un truc comme ça. Donc c'est bien. Vraiment bien appréhender le vélo, ça fait bien aussi de faire ce genre de sortie. Bon, je rentre fatigué, hein, ça fait longtemps que j'ai pu faire cette distance là, mais je me suis régalé et je suis content de l'achat. Voilà, allez, il fait bon, on va aller boire une petite bière. A toutes et bon week-end!